Bienvenue à Anahita. Alors, vous avez vu l'atterrissage. Alors, je suis allé ici à Anahita, à l'île Maurice, à Ampère. J'ai été invité par le résident. Très gentiment, je suis ravi d'être ici pour faire des vidéos. Alors, j'avais prévu de faire le vlog aujourd'hui. Hop. Alors, vous comprenez que, en fait, aujourd'hui, ça va être génial. 1er avril aujourd'hui, donc c'est un peu le poisson d'avril. Je vous laisse là, je vous fais faire un petit tour de mon appartement qui est vraiment somptueux. Et puis j'espère vous retrouver sur le parcours juste après. Regardez ce temps, c'est magnifique, le soleil est revenu. D'ailleurs, si vous regardez là, je vais essayer de faire une mise au point. Ouais, vous voyez cette eau turquoise ici, absolument magnifique. Ça donnerait presque envie de se baigner s'il n'y avait pas de parcours de golf. C'est en partant du parcours de golf. Vous voyez de là, hop, vous le voyez ici. Ça, c'est le trou numéro 18. Et si on regarde dans cette direction, ici, là, vous avez le trou numéro 8 et le 9 qui repart dans cette direction. Bref, regardez ce lagon magnifique. Eh bien, je suis ravi. J'ai pu m'entraîner un petit peu. Hein. J'ai déjà tourné quelques vidéos hier avant-hier. C'était pas aussi beau que ça le temps. C'est encore un peu nuageux, donc j'aurais peut-être pas que du soleil pendant les 18 trous. Mais c'est pas plus mal parce qu'il fait très chaud quand il n'y a que du soleil. Là, il doit faire 28 degrés. Et si vraiment il n'y a aucun nuage. Voilà. Bon, écoutez, je file, je vais au golf. On se retrouve sur le parcours. Bonjour. Bien, me voici au trou numéro 1 de ce parcours Anahita, bon, que je connais un peu puisque j'ai joué, je me suis baladé sur le parcours pas mal, je l'ai quand même joué même s'il faisait pas très beau. C'est un magnifique parcours, vous allez voir. Il a été dessiné par Ernie Els. Et puis voilà. Je vais faire donc 18 trous. Alors là, ils m'ont mis sur. Ils ont mis les bacti quoi. J'espère que ça va pas être comme ça sur toute la partie parce que comme il a beaucoup plu, les fairways ne roulent pas beaucoup. C'est encore assez humide et y a du vent. Donc je vais me retrouver avec des par 4 qui ressemblent à des par 5. Allez, c'est parti. C'est parti, bonne partie. Bon, je n'ai pas retenu celui-ci, je peux vous dire. Un tout petit peu à droite, mais elle va rester fairway. Bon, en étant un peu plus à gauche, je me raccourcissais le trou, mais elle est vraiment très bien, je la garde. Bon, j'ai mis un bon drive, hein, il me reste 152 mètres avec le vent de face. Donc ça aurait pu être beaucoup plus court là. J'ai mis un bon drive. Ils sont vraiment sympas là, les jardiniers, tout le monde est adorable à l'île Maurice, c'est un paradis ici. Hein. J'adore, j'étais déjà venu deux fois, mais j'étais accueilli dans des conditions extraordinaires. Donc j'ai 152 mètres, ça descend un tout petit peu, mais il y a vent de face. Allez, bon, je suis censé faire 147, 148 au fer 7, 156, 7 au fer 6. J'ai quand même pris le fer 6 en me disant si je suis un petit peu court. Il me restera un peu de temps monté. Bon, là, je fais 158 au fer 6 normalement, 160 quoi. Je vais le taper solide, pas de toutes mes forces évidemment. Allez, bon équilibre, puis on verra bien ce qui se passe. Un tout petit peu à droite, prends un bout de green. Avant de face, donc elle est restée exactement sur son pitch. Bon, je vois que les greens ont beaucoup séché parce que c'était extrêmement humide hein, il y a 3 jours. Avec les trombes d'eau qu'on a pris, c'est impressionnant. Donc je vais avoir peut-être un peu du mal avec la vitesse. Là, ça monte, j'ai une dizaine de mètres. 12,50 m. 12,50 m en montée. Les greens ont l'air beaucoup plus roulants que ce qu'ils étaient il y a 3 jours. Donc, je me sens pas mal sur les petits putts. Enfin bon, je dis ça, mais. J'ai changé pas mal de choses dans mon putting. Je suis très content des changements. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Ok,
80 cm à gauche, et surtout, surtout, c'est plus important, il faut que je trouve la bonne distance. Ah ouais, très court. C'est un bon sauvetage de parc, ça. Bien, me voici au trou numéro 2. Alors, ils nous ont mis, là, ils m'ont mis les départs blancs, le départ noir, et 4 mètres derrière les boules. Si bien que c'est un par 5 de 525 mètres. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. C'est énorme. Et avec le vent de face. Donc là, ça va être challenging. Bah écoutez, je vais le jouer des blancs. Hein. Même si, je ne sais pas, mais à mon âge, là, je crois qu'à un moment donné, je vais être autorisé à partir des jaunes. Mais psychologiquement, je n'ai pas envie encore. Je ne sais pas, il y a un truc qui me dit que je ne veux pas. Alors, par 5, alors c'est un très gros par 5. Hein. Normalement, par 5, on met une mise en jeu un peu tranquille. Mais là, si je me laisse un coup de sandwich ou un petit pitch pour le green, il va falloir que je mette un bon coup de driver et un bon coup de bois 3 avec le vent. Donc, vous voyez, pour un par 5, c'est du costaud. Allez, on y va. Elle est superbe. Vraiment très très bon drive, je suis ravi. Je peux pas faire plus long, hein. Je peux pas. Donc j'ai vraiment eu un très bon drive. Alors, il y a beaucoup de vent de face. Alors pour que vous en rendiez compte, je vais vous montrer ça. Beaucoup de vent de face. Alors je sais pas quelle distance j'ai fait, de toute façon, c'est pas très important. Alors là, le danger, c'est de me mettre dans l'axe de l'arbre. Si je me mets derrière l'arbre de gauche, j'ai plus d'ouverture. L'arbre est exactement devant le green, enfin à peut-être 70 mètres du green. Donc il faut absolument que je reste un peu à droite. L'idéal serait un peu à gauche du bunker de droite que vous voyez. Donc je vais quand même viser l'arbre en léger fade. Parce qu'à gauche, il n'y a aucun danger, mais la forêt de droite pourrait arriver. Allez, l'arbre en fade. Un bon équilibre. Le plus important, c'est mon finish, hein, l'équilibre. Je travaille beaucoup ça en ce moment. Aïe, aïe, aïe. Je suis en plein sur l'arbre. Bah, en fait, je suis encore loin de l'arbre. Hein. Pourtant, je mets un coup de bois de driver, un coup de bois de magnifique. Et cet arbre, quand j'étais venu il y a 2 ans, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est ici que j'avais filmé toutes les photos de Golf Mag de 2020. Si vous avez suivi Golf Mag 2020, j'ai fait tous les cahiers techniques. Là, on avait fait 120 pages sur 12 numéros. Et donc, j'avais joué ce parcours. Il y avait moins de vent et c'était plus sec au mois de décembre. Et là, cet arbre, ces deux coups-là, j'étais dedans. Hein. Bon, alors là, j'ai 115 mètres, il y a vent de face. Là, j'ai un fer neuf. Le problème, c'est que j'ai peur d'être un peu long. J'ai peur d'être un peu long si jamais le vent ne la bloque pas. Elle part à droite. Tombe. Ah, je suis très loin. Je sais même pas si... D'ailleurs, elle a pris beaucoup de vent. Elle est partie, pourtant. Ah ouais, le vent l'a poussée quand même pas mal. Bon ben voilà, vous voyez, je suis très à droite, mais la hauteur finalement, la distance était bonne. Bon, j'ai 13 mètres, c'est la même distance que le tout précédent, seulement là ça descend. Je vais viser un bon mètre à droite. Hein. Un bon mètre à droite et surtout, surtout me concentrer sur le dosage. Bon ben c'est un très bon putt. C'est donné. C'est un bon par. Vous voyez ici là les stigmates de la pluie là, de la semaine dernière. Bien, alors là ils ont été sympas, ils nous ont mis au repère. Ah non, c'est le repère noir. Non, c'est le repère blanc. 384 mètres au lieu de 415. 415 les boules pro. 415 c'est quasiment un par 5. Hein. Alors 384 ça reste quand même un bon par 4. Hein. Alors je vous avoue d'ailleurs, j'ai pas pris une Pro V1, mal que je prends habituellement, là j'ai pris une TP5X, qui est une TaylorMade, qui est un peu plus dure. Ça me fait gagner quelques mètres, quoi. Allez, là, il faut vraiment que je mette un bon drive pour me laisser une canne acceptable. Ah, je suis à gauche. Je suis à gauche. J'espère qu'elle ira pas dans le même cœur de gauche.
Ah mais restons 61 mètres, hein. C'est quand même des gros par 4, hein, parce que j'ai mise longue. C'est très joli, je vais vous montrer la montagne là. Regardez, je ne sais pas si vous la voyez, non vous ne la voyez pas. Un environnement extraordinaire. Bon ben 161 mètres, ce sera un fer 5. Il y a du vent. Green, je ne vais pas chercher le drapeau parce qu'il est à droite, il n'est pas loin du bunker. Je vais chercher plein milieu de green. C'est quand même des par 4 costauds. Hein. Ah là 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 là, complètement lâché. Ah, oh, j'ai voulu taper trop fort. Quelle stupide idée. Oh, ah, je suis pas bien. Je suis complètement à droite, je sais pas ce que j'ai fait. Complètement lâché, j'ai voulu taper trop fort. Bon ben voilà, coup complètement raté, complètement à droite. Pas catastrophique parce que bon, bah, y a rien. Hein. Beaucoup de vent de face. Hein. Vous voyez, sur ce trou, il y a 3-4 jours, là, j'ai fait drive fer 9. Là, je suis drive fer 5. C'était la bonne canne hein, dans la direction où je prenais le green. Bon, allez. Faire un joli coup. C'est pas évident, c'est rough là qui freine. J'en voyais pas mal. Ah, je suis pas très content. Eh ben, il manque 5-6 mètres quoi. Ça aurait été bien de la porter jusque là. Bon. Allez, on peut la rentrer pour sauver le par, ça arrive de temps en temps. Ça arrive de temps en temps. Pas qu'au meilleur. Oh, si celle-ci, elle est pas belle. Incroyable, encore en plus c'est filmé, c'est fantastique. Bon ben troisième par grâce à ce chip de ouf, incroyable. Me voici sur le trou numéro 4, le fameux trou signature d'Anahita qui est absolument grandiose quoi. Voilà, déjà le fairway là qui est très bien délimité avec ses bunkers, cette série de bunkers. Alors c'est terrible parce que où que je sois j'ai le vent de face. Là il était de face, comme ça il est encore de face. Bon alors là il va être très long. Encore un par 5, là je peux m'appuyer franchement à gauche, c'est la bonne nouvelle. Moi qui ai de temps en temps tendance à un petit peu lâcher en slice, je peux m'appuyer à gauche, les bunkers ils sont hors de portée. Avec le vent qu'il y a là, ça me semble pas possible. Ouais, ouais. Alors je suis pas back tee, hein. Là il fait 472 mètres. Alors c'est un trou qu'on peut en théorie toucher en deux, mais avec le vent aujourd'hui, je pense pas pouvoir y arriver. Allez. Allez, un bon drive, j'ai pas besoin de mettre extra fort quoi. Juste de la placer, ce sera très bien. Très à droite. Bon, vous voyez, allez, alors très à droite, moi je visais à gauche du fairway, donc je suis à droite, je dois perdre une vingtaine de mètres, ce qui est pas dramatique dans la situation. Vous voyez, je pitch ici. Donc là j'ai pris un fer 2, c'est un vieux fer 2, c'est les premiers fers hybrides un peu, c'est un peu les ancêtres des hybrides. J'aime bien ce club là. Un peu tenu dans l'axe du bunker pour me laisser un troisième coup pas trop compliqué. C'est pas mal du tout ça. Oh, c'est très bien, c'est un petit peu à droite de ce que je voulais, donc du coup bah, ça met plein fairway quoi. Donc voilà, j'ai beaucoup de marge hein, d'ici le bunker, donc là je suis très bien ici. Vous voyez les voiles de voilier derrière, c'est assez sympa. 134, mais il y a un vent terrible, je vais prendre deux clubs de plus, je vais prendre un fer 7. Bon, fer 6, je vais surtout pas dépasser green, c'est pour ça que je vais pas prendre fer 6. Mais je vais viser à gauche, de manière à m'éviter le bunker, je vais viser carrément 7 mètres à gauche du mât. Là, je vais pas tenter le birdie parce que si jamais je slice un peu, elle va prendre le vent, ça va être catastrophique.
Allez, on va essayer de faire un coup punché, un peu tenu comme ça. Plein cœur de green. Ça monte un peu trop par rapport à ce que je voulais. Bon, alors moi je vais vous dire, très franchement, je suis pas mécontent de ce coup, hein. Je suis pas green, je suis un peu court. Mais le danger, c'est de trouver la mauvaise distance, quoi. D'être trop long, là, je peux être dans l'obstacle, il y a deux gros bunkers derrière qui sont énormes. D'être court, d'être à droite, de lâcher à droite. En plus, j'ai mis mon drive à droite, donc ça me pendait un peu au nez. Je suis très bien ici. Il faut savoir aussi de temps en temps jouer avec le plus de sécurité possible, quitte à prendre un bogey, mais éviter les doubles. Alors, j'ai pris un fer 9, là. Je vais la faire rouler. Je vais la faire tomber 3 mètres entrée de green, 3-4 mètres entrée de green. Gauche-droite, je vais viser 2 mètres, 2,50 mètres à gauche du trou. 2,50 mètres à gauche du trou. Là, il faut que je trouve le bon point de chute. J'irai 4 mètres entrée de green. Avance. Ah, ça monte chip. Il me reste 1,20 m. Ouais, comme c'est merveilleux l'environnement là, c'est extraordinaire. Là, on est au paradis quoi. C'est la couleur du lagon, les voiliers, le soleil, c'est extraordinaire. Je suis vraiment content de vous faire partager ça. Je vais viser bord gauche. Allez, tout en équilibre. Elle passe bord gauche, elle passe exactement là où je vise. Elle n'a pas du tout pris la pente. Là, je m'en veux un peu. Ah, c'est un bogey qui est assez vilain. Facile de faire le par ici. Bon, faut l'accepter, c'est pas grave, c'est comme ça. Ouais, ça équilibre un peu avec le chip rentré du coup d'avant. Ouais, c'est pas grave. Allez. Bon, ben voici sur le trou suivant. Un peu dommage ce putt qui rentre pas. C'est un peu dommage. Mais bon, je m'en veux pas, je la putte comme je veux. J'aurais dû la poter intérieur gauche et non pas bord gauche. Le problème qu'elle ne revienne pas. J'ai 154 mètres, le vent droite-gauche cette fois évidemment. Donc je vais viser à droite hein, parce que je m'attends vraiment à ce que la balle revienne. Et forcément, le vent va un peu ralentir ma balle puisque le vent vient de là et que je vais la jouer vers la droite. Donc elle va forcément se confronter pas mal au vent. J'ai pris donc un club de plus, 154, hein, j'ai pris un demi-club de plus. J'espère que ça va suffire, mais j'ai peur d'être trop long avec un fer 5. Allez, on y va. Allez, avance. Allez, très très bien. Et la hauteur du trou. Bon, ben en fait, c'est même un excellent coup que j'ai fait. Hein. Je ne la voyais pas si proche de là-bas. Je vais enlever le drapeau à l'ancienne. Hein. Je suis de la vieille génération. Si je pouvais rentrer ce birdie, alors là, ce serait vraiment génial. Je reviendrai dans le par. Je vais jouer une balle à droite. Une balle extérieure du trou. En espérant qu'elle revienne. Mais là aussi, même sur ces petits potes, là, d'1,52 m, il faut vraiment trouver la distance. Hein, c'est important. Parce que ça joue beaucoup sur la direction, la distance sur les potes en pente. Et là, je vais la jouer de manière à dépasser une dizaine de centimètres, pas plus. Donc, je prends la pente en fonction. Allez, très équilibré. Je me tiens exactement en mouvement habituel. Oh non. Ouais, j'ai pris plus qu'une balle. Hein. Il est bien putté. Hein. Il est bien putté. Il y a un trou numéro 6. Bon, là, ce sont sympas parce que là, je pars encore pas du back tee. Il fait quand même 382 mètres hein, d'ici. Hein. J'ai la boule de distance qui est là. 381 mètres. Au lieu de 415, encore du fond, mais 415, c'est vraiment du championship. Alors sur ce trou, remarquez, c'est le premier trou que je vais avoir le vent avec. La mer étant derrière moi, je vais pouvoir appuyer tranquillement. À gauche, quand même, il faut que je fasse attention. Les deux bunkers, là, à gauche, dans mon souvenir, sont quand même en jeu. Ils paraissent proches, mais moi, j'aime bien viser à gauche parce que quand même, j'ai un petit peu de tendance à pusher. Bon, c'est par rapport à mon système de jeu. Comme je suis aligné toujours un petit peu à gauche et que j'apprécie le fade, bah, de temps en temps, je suis plutôt dans cette trajectoire. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie depuis toujours. Quoique je me suis remis à travailler un peu le draw, mais je suis passé en confiance avec pour vraiment rejouer tout en draw.
Donc là, je vais jouer à gauche du fairway, quoi, à droite des deux bunkers que vous voyez. Comme il y a du vent derrière, je peux porter une balle assez haute en fade. Elle va prendre beaucoup de distance si j'arrive à l'exécuter comme je le veux. Et ce serait bien de prendre la distance parce que 380 mètres, et comme ça roule pas du tout, il va me rester une sacrée canne encore en attaque de green. Aïe, elle va en plein bunker celle-ci. Ouais, elle a pris du draw. Je suis en direction des deux bunkers. J'espère qu'elle a flyé avec le vent, on verra là-bas. Voilà, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai effectivement flyé le bunker. Il me reste 152 mètres, mais il y a beaucoup de vent avec. Je vais prendre un grand risque, je vais prendre un fer 8, sachant que je vais être 10 mètres court, hein, avec mon fer 8, mais je compte sur le vent, donc je viens du rough. Je vais essayer de la toucher super clean, super forte celle-ci. Donc là, je vais vraiment taper très vite, le plus vite possible, parce que je ne peux pas être trop long, mais j'ai pas envie de me retrouver dans la descente de l'autre côté. Donc le danger, c'est que je me reste court. C'est peut-être pas très bien joué, mais comme il y a beaucoup de vent, je pense quand même que je peux faire la distance. Allez, je vais taper très vite mon fer 8, beaucoup de relâchement, beaucoup de vitesse. On va bien voir. Ah, je la push. Ouais, et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Dans l'axe, je pense que j'aurais pu y arriver. Bon, je vais laisser passer la partie là qui est derrière moi. Parce qu'elle met un peu la pression là depuis 2-3 trous. Et voilà, pour que vous compreniez, en fait, vous voyez que le drapeau là était très proche du fond du green. Alors pourquoi est-ce que là, sur ce coup-là, j'ai décidé de taper fort? Parce que, enfin, taper fort à un club inférieur, parce que je me suis dit, avec un fer 8, il y a peu de chances pour que j'arrive 10 mètres trop long. Avec un fer 8 très fort, vraiment, si jamais à distance, bah, c'est bien. Et puis, bon, bah, là, j'ai un peu de place, au cas où je serais un peu trop court. Mais alors qu'un fer 7, j'aurais pu passer avec un fer 7. Maintenant, je ne vais pas dire que je regrette, mais maintenant que je sais que j'ai raté mon coup, il aurait mieux valu que je prenne un fer 7. Mais avec un fer 7, j'aurais facilement pu me retrouver derrière. Et là, vous ne le voyez pas bien, mais c'est une pente, c'est descendant, il y a un rough très très profond. Et avec un drapeau aussi court que ça, j'aurais mis ma balle ici au fer 7. J'étais peut-être pire encore que dans ma situation où je suis dans le bunker derrière. Bon ben voilà où je suis, en fait je ne suis pas dans le bunker. Hein. Je ne suis pas forcément mieux que dans le bunker. Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être dur. Bon, alors effectivement... L'approche putt là-dessus, ce serait vraiment génial. Donc là, je vais viser très à droite, hein, parce que une balle très haute comme ça, au-dessus des pieds, la face de club, en fait, ne regarde plus par là, mais une fois que je l'incline, elle regarde très à gauche. Donc c'est toujours un peu improvisé, parce que je vous avoue que je ne travaille pas ces coups-là en practice. Allez, ce qu'il faut, c'est se laisser moins de 2 mètres, ce serait déjà très très bien. Et toi? Bon, je suis à 1m50, je peux la rentrer pour le par encore. Bon, je suis pas mécontent de ce petit approche un peu bizarroïde. Allez, Renaud. C'est quand même bien de le rentrer celui-ci. Quoi. Allez, bord droit. Oh! J'y crois pas. Hein. Bogey, plus 2 là, c'est dommage. C'est dommage que ces petits putts ne rentrent pas parce que je pourrais être beaucoup mieux au score déjà. Ouais, ouais. Alors là, j'ai encore 386 mètres à la plaque, moins 5, ouais, 381. Ça reste quand même des gros par 4. Hein. Là, j'ai vraiment des grosses distances. Mais là, j'ai vent avec. Hein. Alors, pour le coup, là, on a vraiment, vous allez voir avec la feuille, j'ai vraiment vent avec. Donc, je vais pouvoir porter la balle assez loin. Donc, là, à droite, je pense que vous le voyez, il y a un bunker, un double bunker, qui, je peux le flyer. Celui-ci, là, avec le vent, il n'y a aucun problème. Je pourrais le flyer. Donc, je peux lâcher un peu à droite, ce ne serait pas un problème.
Donc, je vais m'appuyer sur le bunker du fond que je ne pense pas pouvoir atteindre encore que... Si, je pense que je peux l'atteindre, le bunker du fond. Donc je vais viser vraiment entre les deux, surtout avec, en me disant, il ne faut pas que j'aille faire le bunker du fond, mais plutôt sur le bunker de droite, en me disant de toute façon à droite, si je la touche correctement cette balle, il n'y a pas de souci, je vais flyer. Mais il ne faut vraiment pas tomber dans le bunker parce que là, depuis le bunker, j'ai aucun coup pour le green. Allons-y. Elle est très grosse. Bon, elle est au-dessus du bunker de droite. Donc celle-ci, il n'y a aucun problème. Je pitch là, ça ne roule pas du tout. Donc les trous sont quand même très longs. Et avec l'humidité, bah, ça ne roule pas un mètre. Donc du coup, il me reste encore 147 mètres. 147, ça peut être évident parce qu'il y a vent dans le dos. Et le drapeau est au fond du green. De toute façon, je ne vais pas prendre autre chose que faire 8 qui doit faire 100, entre 135 et 140 pour moi. 147, je pense qu'un faire 8 normalement touché devrait suffire. Le danger, c'est d'aller trop loin. C'est-à-dire que si je fais un bon coup de golf, évidemment, le danger, c'est toujours rater le coup. Mais si je réussis mon coup, le danger, c'est d'être un peu trop long. Donc je vais la rythmer, je vais la jouer vraiment comme à l'entraînement, celle-ci. Rotation qui démarre bien par le corps. Et surtout un équilibre parfait au finish. C'est l'équilibre parfait au finish qui me garantit la direction, quoi, et même le toucher. Elle est très belle cette balle, meilleur coup de la partie, elle est plein axe, je la vois pas arriver, elle est plein axe, elle est plein axe. Si elle est à la distance, j'ai une chance de birdie. Bon ben, je suis ravi de ce coup, hein. Je l'avais dit, plein axe, je viens de là-bas. Hein. Le danger ici, c'est qu'un bon coup, vous voyez, j'ai même eu peur. Ici, c'est qu'un bon coup, là, paf, dépasse. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une vraie pente, là. Donc, ce coup de fer 8 aurait été un peu trop long derrière, ça aurait été un coup encore meilleur. Mais j'ai que 3 mètres, quoi. La balle, elle aurait été 3 mètres trop longue. Elle tourne dans la descente et il me reste un chip très compliqué de retour. C'est pour ça que je suis très content d'être comme ça, 4 mètres, 4-5 mètres court. 20 cm, 25 cm à gauche du trou. Je pense que c'est pas mal. Encore une fois, je veux pas trop, moi, me prendre... me polluer l'esprit avec la question de la direction. Au putting, ce qui importe le plus, c'est quand même le dosage. Et le dosage est déterminé par la qualité du contact de balle et le balancier. Et ce que je veux, c'est trouver la bonne distance. C'est déjà... Ah là là, c'est frustrant. Hein. Et ça descend après. Hein. J'avais peur de passer d'un mètre 50 et 1m50, il n'est pas donné quoi. Bien, alors là j'ai un coup de 188 mètres. Et pourtant on est vraiment là, il y a encore 30 mètres. Hein. C'est-à-dire que là le départ du back tee fait 200. Là je pense que le drapeau est en au fond. Il ferait 225 mètres. Sur un par 3, je trouve ça trop. Surtout qu'il y a le vent de face. Donc j'ai 188 mètres, autant dire 190. Vent de face. Donc ça équivaut à un coup de 200 mètres. Quoi. Donc 200 mètres, bah, j'ai pris mon club, mon petit fer 2 là, que j'aime beaucoup. Je trouve assez facile à jouer, qui représente un club hybride. Quoi. Je vais même taper soft parce que le vent, j'ai l'impression qu'il se calme un peu, mais je vois le drapeau bouger quand même. Donc là, je vais quand même viser un peu à droite, la lèvre droite du bunker. Donc c'est-à-dire que si elle est un peu courte, tomber sur le pré-green à droite entre le bunker et le green, si je la, en erreur de direction, si jamais à gauche, je pense quand même que j'ai la portée pour passer. Puis si je la push un peu, alors là, il n'y aura pas de souci, je serai évidemment sur le green. À condition que je la contacte correctement, évidemment. Hein. Voilà. Faire 2, l'erreur sur ces coups-là, c'est de se dire, comme c'est un club puissant, il faut taper fort. Eh bien non, c'est l'inverse. Comme c'est un club puissant, il faut le rythmer et rester très raisonnable avec ces coups-là. Ah, bon, bah, c'est complètement pushé. C'est le deuxième coup que je fais comme ça aujourd'hui. Bah, je suis bunker de droite.
Même pas, ouais, elle est montée au ciel. Ah, j'en remettre une juste pour le plaisir. De blocage, un peu peur de rentrer, de tourner vers la cible. Je sens vraiment que je reste un peu en arrière. C'est dommage. Voilà. Pas plus compliqué que ça normalement. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hein. Je la vois pas, mais celle-ci, elle est exactement où je voulais. Juste à droite du bunker, elle va rouler un peu. On va voir un peu le résultat de ces deux balles. Mais bon, je joue la première, évidemment. Alors, là, j'ai pris un 52 degrés. J'aurais pu prendre un 56, mais j'ai préféré prendre un sandwich un petit peu plus fermé pour faire rouler un peu la balle, parce que ce green rentre comme ça la balle droite-gauche. Il faut que j'arrive à prendre une ligne qui a priori, manifestement, a pris la première. Donc là, il faudrait que je tombe, selon moi, aller en direction 3 mètres à droite du drapeau, 5-6 mètres entrée de green, et qu'elle roule. Donc c'est pour ça que j'ai pris un 52 et non pas un sandwich plus ouvert. Je vois bien le point de chute. Si ma balle tombe dessus et que j'ai bien anticipé la roule, eh bien j'aurai qu'un seul putt. Oh non, ah, voilà le risque. Oh, je passe un peu en dessous et puis comme le rough est épais là, je passe complètement en dessous. Clairement en danger de faire un double bogey. C'est encore plus rageant quand je vois ma deuxième. Je vais viser ma deuxième balle là-bas, et puis elle va revenir, mais là le dosage va être assez difficile à appréhender. J'ai une vingtaine de mètres en descente. Ça ralentit dans la descente. Danger de double bogey. Donc celle-ci, effectivement, elle a dû pitcher. Je vois pas son pitch. Elle a dû pitcher à 7-8 mètres d'ici. C'est un bon coup. Mais c'est celle-ci qui compte. Allez, faut que ça rentre. Allez, je la vois tout droite, celle-ci. Pas de pente. Boum. Approche 3 putts, ça fait double. Hein. Bon bah c'est moche. Hein. Ah c'est moche, c'est moche, c'est moche. C'est un peu rageant, double bogey, ça pique un peu quand même. Je me retrouve plus 4, départ du 9. Pour être franc, mon approche, j'ai regardé la vidéo, hein, je la cueille un tout petit peu. Et dans un rough comme ça, ça pardonne pas quoi. J'aurais dû garder... l'envie de la pincer, de la puncher un peu plus, de garder plus basse, la faire rouler. C'était pourtant pas un coup difficile. Bon, allez, maintenant on est au trou numéro 9. J'ai toujours le vent dans le dos. C'est la bonne nouvelle parce que c'est un tout petit par 4. Celui-ci fait 295 mètres, quelque chose comme ça. Mais il y a un grand danger, c'est, on devine bien, il y a une rivière là qui est maçonnée, tout le long, un peu à l'écossaise. Je vais quand même prendre le driver. Bon, la raison voudrait que je prenne un hybride ou un fer 2 pour me mettre sur le fairway de droite. Mais là, je vais tenter le drive. Si je mets une grosse mine un peu à gauche là-bas en direction de l'arbre, on voit le toit de maison là-bas, ben, je peux me retrouver vraiment proche du green, hein, surtout avec le vent dans le dos. Alors je vais pas porter à 290 comme ça roule pas, mais je peux porter quand même à 260, 250 et me laisser un coup de 40 mètres et me laisser une vraie chance de birdie. Je vais viser l'arbre, vous voyez l'arbre de gauche là, l'arbre un petit peu à droite de celui-ci. Là j'ai largement la place de passer. Le danger serait que je push un peu et que je tombe dans la rivière, mais c'est un risque quand même assez mesuré parce que la rivière est très étroite et comme ça roule pas avec sa pitch, il faudrait vraiment que je pitch dans la rivière pour être dedans. Vous voyez, donc je risque pas de tomber 10 mètres avant et de la faire rouler dedans puisque le terrain est assez humide. Allez, je vais viser à gauche là-bas, je vais essayer de taper assez fort, de l'appuyer assez fort pour vider ma frustration du trou précédent. Et puis on verra bien, advienne que pourra. Je la vois pas, mais je la sens très forte celle-ci. Je l'ai pas vue, mais alors à la sensation, elle est toute droite. À la sensation, alors je fais une petite parenthèse.
J'ai senti aucune manipulation, j'ai senti le club rester parfaitement dans son axe. J'ai tapé fort, j'ai perdu un tout petit peu l'équilibre, mais je l'ai senti vraiment parfaitement passer. Donc je la sens très forte, plein centre. Bon ben voilà ma balle, elle est vraiment plein axe de l'arbre que je visais. Alors vous voyez que, je sais pas si vous voyez, si vous voyez là. Ouais, vous voyez très bien. Alors je sais pas où je pitch, je crois que je pitch là. Vous voyez ce que je disais là, ça pitch, ça s'arrête. J'aurais préféré quand même être 15 cm plus à gauche. Hein. J'aurais eu un coup beaucoup plus simple. Parce que là, je me retrouve un peu dans la même situation que le coup d'avant. Allez. C'est un coup horrible ça. Bon, et bien voilà. Là, c'était vraiment le... Alors ça, c'est le pire coup de la partie. Je suis vraiment désolé de vous montrer ce spectacle. Je me suis fait peur dans ce petit rough. Là, j'ai voulu l'accueillir encore. Enfin, c'est à peu près la même erreur que le trou précédent. Donc là, je viens de dropper. Je suis en 3 là. 4, 5, serait bien que je sauve le bogey. Bon, au moins, j'ai un bon lie cette fois. Au moins, j'ai un bon lie. Allez, il faut absolument que je fasse approche putt là. C'est très important. À toi. Oh là, c'est pas terrible. Non. Ah, ce trou, je le sens très mal. Après un drive pareil, c'est vraiment navrant. Un drive fantastique. Mais derrière, je fais n'importe quoi. Eh bien, c'est un deuxième double bogey d'affilée. C'est assez dur. Bon, je préfère oublier ces deux derniers trous-là, et comme ça, je vais me concentrer sur le retour, parce que là, du coup, j'étais plus 4, passant plus 6 à l'aller. Oh là là. Ah, je suis désolé. Bien, me voilà au passage, là, on a un petit passage entre le 9 et le 10. J'ai c'est sympa, et regardez les petits gâteaux. Plein de choses, du break agréable avec du thé glacé et puis des petits gâteaux. Là, c'est le practice avec la zone d'entraînement qui est ici. C'est vraiment un endroit superbe. Alors, j'étais déjà venu, comme je vous disais, il y a 2 ans. Et là, je devais passer une semaine. On a été reporté de 5 jours à cause de la tempête. Et puis voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le vlog, la première partie maintenant. Je vais enregistrer la deuxième partie, enfin je produirai la deuxième partie un petit peu plus tard. Donc restez-vous si vous voyez la première partie directement là. Attendez quelques jours avant que je poste la deuxième. Elle va pas tarder. Et puis alors résultat, je vais vous dire, moi je suis très content de ce que je fais, hein, le grand jeu. Je prends plaisir à driver, j'ai très bien drivé, mes coups de fer étaient quand même pas mal. J'ai 2-3 petits refus. Maintenant de passer en plus 6, c'est très frustrant parce que je suis plus 2 départ du 8. Puis double 8, double 9, avec 2 erreurs en fait. 2 grosses erreurs de petit jeu dans ces roughs assez épais. Là, je ralentis les 2 fois, je vais un petit peu trop l'accueillir, la porter. Mais ce sont des roughs comme ça dans les tropiques, un petit peu épais, il faut surtout accélérer. Et je fais 2 fois la même erreur d'affilée, qui me coûterait cher. La deuxième, bon, ben, je me retrouve dans la flotte. Bon. Allez, c'est pas très grave. Moi, je suis bien dans mon swing, il faudrait que mes potes rentrent un petit peu plus. Et puis au retour, je peux rattraper ce score-là. Allez, je vais essayer de viser un peu les mains et de faire 1 ou 2 ou 3 birdies. C'est tout à fait imaginable. Donc moi, je continue. On se retrouve dans la deuxième partie de ce vlog.